oui, vous êtes très péjoratif à certains moments. C'est comme sur la première question avec Thomas. C'était boum. Je suis content de vous voir dans un rôle comme ça parce que tout le reste c'était de la merde. Et puis là, vous trouvez pas que le film a quand même un côté scolaire? Donc c'est un film destiné aux écoles. Non, mais classique, c'est ça? Non, pas classique. Ça donne envie de revoir Cyrano. C'est instructif. Alors. Mais pas celui-là, c'est ça? Ça donne envie de revoir Cyrano. Ils sont sympas chez Première. Hein. Alors, votre pièce, comédie, tragédie, vous avez 2 minutes. Tragédie. Comédie. Bien, le titre. Hercule, Savinien, Cyrano. Cyrano de Bergerac. Mon rôle? Cyrano. Très bien, qui est-ce? Un poète, fimbreteur, avec une laideur. Laideur? Enfin, laideur, non, mais disons, une... un grand... nez. Un grand nez? Mais oui. Un nez énorme. Une protubérance. Qu'est-ce que c'est, le texte? Un début de tirade, la pièce n'est pas écrite. Pas écrite? Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire Dieu bien des choses en somme, en variant le ton, par exemple. Tenez. C'est un film léger. Hein. Même s'il y a plein de niveaux, ça reste un film léger. Oui, mais ce n'est pas un biopic, c'est un conte. Hein. Bah, un peu comme Shakespeare in Love, ou Love, c'est pas ça. Oui. C'est un film, ça, Shakespeare in Love? Oui. Non, je rigole. C'est une blague. J'ai bien aimé, en plus, donc pas du tout. La répétition commence demain matin. Et la pièce n'est pas écrite? Molière a monté Tartuffe en 8 jours. Ça manque un peu de cul. Marchera jamais. Votre verve amusa! Cet acteur, c'était pas possible. C'est le pire acteur du monde, que voulez-vous que j'y fasse? De qui parlez-vous? Ça reste Cyrano de Bergerac, d'Edmond Rostand. Ça reste des grands moments de tirade d'Edmond Rostand, de Cyrano de Bergerac. Donc oui, malgré tout, il a fallu réussir à trouver une modernité là-dedans. Trouver cette modernité dans la contrainte du langage, qui est quand même un phrasé vraiment très particulier, avec de l'emphase, et réussir à amener du rythme. Alexis était très très... Voilà, il voulait qu'il y ait beaucoup de rythme, que ce soit très enlevé, pour essayer justement d'alléger ce texte. Quelle que soit la forme, le texte, à partir du moment où vous trouvez des acteurs qui partent de leur propre âme et de leur propre sensibilité et qui parlent de leur propre ressentiment intérieur, la forme a plus d'importance, elle sera juste. Et là, c'est le cas. Je vous préviens, cher Myrmidon, qu'à la fin de l'envoi, je... Louche ? Je touche. Nous allons modestement créer ensemble un chef-d'œuvre. Comme à chaque fois. Voici l'auteur, Edmond Rostand, génie. Comme à chaque fois. Dites-moi que tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Embrassez-moi. Lequel? Ça donne envie de jouer Cyrano, je peux le prendre, hein, si ça t'embête, parce que ça fait un peu le... Les bras. Je tiens la chandelle. Non, mais voilà, après, c'est... la chandelle, Cyrano, c'est un rêve d'adolescent, de jeune acteur, et au début, quand on n'a aucune culture et qu'on a lu 2 pièces dans sa vie, dont Cyrano, je vais avoir lu 2 pièces dans ma vie à l'époque, donc et je me disais, tiens, Cyrano, c'est quand même pas mal comme pièce de théâtre. Mais j'en avais lu aucune autre, donc j'avais pas de référence. Mais non, quelque part dans ma tête, il y a toujours eu cette envie de jouer Cyrano. Ici, ça m'amusait d'autant plus que j'avais pas la responsabilité d'endosser Cyrano, étant donné que c'est Coquelin qui endosse Cyrano. Donc même si Cyrano est... Coquelin joue Cyrano d'une manière vraiment nulle à chier, j'aurais pu dire, bah, c'est Coquelin qui jouait Cyrano, c'est pas Olivier Gourmet. Avec ma sensibilité personnelle d'Olivier Gourmet, je pense pas que je jouerais Cyrano de la même manière. Donc voilà, en tout cas aujourd'hui. En tout cas aujourd'hui. Mais c'est d'autant plus amusant, parce qu'on le voit à la fin du film, petit moment où on voit Coquelin jouer Cyrano, il y a quand même une certaine dimension de l'époque, de la façon dont on jouait à l'époque. Et ça aussi, c'est ludique. De cette exaltation et de cette forme théâtrale. Il y a un plaisir à ça, moi, qui me manque parfois, justement, de par les films qui, moi, souvent, sont trop sérieux. Enfin, trop sérieux, non, parce que j'adore ça. Enfin, j'adore ça quand il y a un vrai fond et que ça parle et que ça interpelle. Pas où c'est de la branlette intellectuelle. Voilà. Mais enfin, d'avoir cette possibilité d'aller dans l'exagération. Parce que moi, Cyrano, pour moi, c'est un clown. Un nez, pour moi, dès qu'on me met un nez, c'est clown. Un clown triste, c'est ce que vous voulez, mais c'est un clown. Donc voilà. Bah, je sais pas, je m'égare, mais j'ai dit ce que je voulais dire. Fantastique.
susceptible. Mais je suis pas du tout susceptible, je crée le débat. C'est pas de la susceptibilité. Du tout, parce que là vous me connaissez, moi, moi je suis pour le débat. Hein. Moi j'adore les gens qui me disent en face, c'était de la merde. Ça dépend comment c'est dit, évidemment. Hein. Ça dépend... Non mais vous n'avez pas dit ça, je dis pas que vous avez dit ça. Mais je dis, ça dépend comment c'est dit, évidemment. Quand c'est de l'agression pure et simple, ça n'a aucun intérêt. Mais quand ça amène un débat intéressant, la critique, elle est positive.